Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour la saison 2 de 100% de la nouvelle marque. Là, on est dans le garage, donc côté marque. Je sais, moi, quelle marque j'avais envie de prendre. On la voit tout le temps, cette marque. Personne, on la voit presque jamais. Mais on la voit très rarement. Donc, du coup, j'ai décidé de faire cette marque là, d'accord. Donc je vais vous montrer tout avant. Faut savoir, cette vidéo est faite en avance. D'habitude, je fais tous les dimanches une vidéo par niveau, une vidéo le dimanche, et après je fais la publication et tout. Là, ça fait trois vidéos. Donc là, on est mardi pour moi. Donc normalement, je vais faire un codage, mais je dois le refaire de l'autre vidéo parce que je me suis planté sur le montage. Donc je dois tout refaire. Donc elle sera peut-être décalée, la première vidéo. Donc voilà. J'ai eu un petit souci, j'ai eu des lags, et je sais pourquoi je lag sur cette map. Il faut savoir qu'on est sur AgriFrance. Désolé pour les notifications, désolé pour les bruits extérieurs. On est sur la map AgriFrance V3, d'accord. Donc ça, c'est à préciser. Normalement, on devait être en mode saison. Mais c'est le mode saison qui me fait laguer, donc il n'y aura pas de mode saison. Pour ce soit sur toutes les séries qu'on va peut-être faire, il n'y aura pas de mode saison. J'en suis navré, mais moi qui pensais que ça allait mieux, ben non. Donc du coup, j'espère que ça n'a pas trop foiré le mode saison. J'espère que ça n'a pas trop foiré. Il faut savoir qu'on a déjà des véhicules sur la map. On est en difficile. On a 500 000 de départ en plus. 500 000, ça fait 1 million, d'accord. Donc on recommence à zéro. Moi, je vais vous montrer la nouvelle marque. Regardez bien. À vous de choisir, à vous de deviner, hein. Je vais vous dire, je vais vous montrer. Alors, faut savoir que cette vidéo va être courte, d'accord. Cette vidéo va être courte. Alors, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura juste la nouvelle marque, explication pourquoi tel truc. Donc voilà, là je m'arrête. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a en marque? Alors si je regarde là. Ça peut être massé. Ça peut être nul, non? Ben, moi je sais. Suivez bien la souris. C'est nul, non? Oui, 100% nul, non? Je sais, mais il n'y aura pas de dernier rien. Voilà, donc il y aura pas mal de véhicules Mulan. Il faut savoir que derrière, si vous voyez bien, nous avons une moissonneuse Mulan. Donc on n'aura pas besoin d'investir sur une moissonneuse Mulan. Vous voyez, T5, T6, ça c'est de base. On a quand même pas mal de véhicules. Bon, après la grosse, on n'aura pas besoin. Après, on a du matériel en mode, hein, faucheuse, tout ça, on a d'autres véhicules et tout. Alors, voilà. Donc voilà pour la marque. Donc voilà, on a la Mulan, donc on aura ça en garder parce qu'on a déjà le véhicule. Donc désolé des coups de lag, mais je veux juste essayer de vous montrer s'il veut bien. Donc là, on a des silos, donc on va faire les cochons, bien sûr. Donc vous voyez, on a quand même du matériel, donc on a un petit Fiat, mais tout ce matériel va aller en concession sauf la moissonneuse. Donc la moissonneuse, je la mettrai dans le hangar, il n'y a pas de soucis. Hop. Je vous montre, puis lever tout. On va dire c'était le véhicule. Voilà, donc voilà, il y a un petit John Deere, mais il ne sera pas là, un petit John Deere, hein. Il ne sera pas là. Hein. Donc pas mal de changements sur la map. Donc ça va être 280 chevaux. Là, je suis fluide. Des moments, je suis pas fluide. Mais à mon avis, est-ce que comme je viens d'arriver sur la map. Donc vous voyez, il y a même un autre hangar ici. Ça, c'est cool. Là, c'est quoi? Vous voyez, hein, j'ai des coups de lag. Donc c'est bien le mode saison. C'est les carottes, c'est un immeuble. Et non, c'est des pommes. Ouais, des oignons. Voilà. Pas ici. Donc on va commencer en démarrer. Donc ce sera une petite vidéo courte. Donc vous voyez, il y a du matériel, mais je pense pas que je vais garder ce matériel.
Donc ça va nous faire de l'argent, c'est comme si on était arrivé sur la ferme et on nous a tout donné. D'accord, donc je vais faire échappe, il y aura peut-être au chargement de la sauvegarde automatique. Si ça veut bien. Chargement de la map. Voilà. Sauvegarde. Donc ça se peut que ce soit le. Voilà. Ouais, donc du coup ça c'est bien le mode saison qui fait chier. On l'avait pas, j'avais parti, c'est différent. Donc cette vidéo va être courte, je vais essayer de faire au moins 10 minutes, 10, 11, 25 minutes, le temps du chargement et tout. Je ferai pas de cut ni rien du tout dans cette vidéo parce que vous allez voir un peu de tout. S'il veut bien, merci. Voilà, donc on va acheter les terrains. On commence à acheter. Alors attendez. Donc ici c'est des cochons. Donc ça coûte 60. Donc on va acheter ça. Et je pense donc voilà cette vidéo peut-être que d'ici là j'aurai enlevé le mode saison. Donc là on est dans la guerre à mon avis. Ah oui je lag, donc c'est bien le mode saison qui fait chier, c'est dommage, mais bon ma partie perso c'était comme ça. Mais c'est une bonne saison. Alors, désolé du son qui est fort. Voilà, donc vous voyez, on a de la place. Donc on aura de la place quand même. On aura un hangar ici. Alors peut-être qu'on achètera. Ce que fait voir. Montre un peu où on est. Ouais, on pourra acheter. Mais après, on a des terres à acheter. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Selon les moyens. D'accord, donc là il y a un truc à patate, mais on va le laisser là. Non, c'est copeau ça. Mais je veux pas vendre parce que sinon ça va faire des problèmes. Il y en a qui l'ont fait, mais voilà. Donc voilà, donc on aura ça et ça. Je sais que je copie sur The French Farmer de l'AFD. Désolé, voilà. Boum. Un hangar, et là on a. Un petit hangar. On visite un peu. Hein. Donc là, on a un mini hangar. Là, on a fumier, nidier. Ouais, là, c'est nidier. Non. Désolé. J'ai vraiment des coups de lag. Vous voyez, c'est une bonne saison qui foire. Voilà. Ouais, donc ici, tu dois prendre quelque chose. Mais la fumier, elle est où? Ah, peut-être qu'on peut curer le fumier. Grande pâture. Donc là c'est un peu lui hein. On a un petit hangar là, peut-être qu'on rajoutera un petit hangar aussi. Ah mais là ça va être les silos. Bon, c'est cool si on a un silo. On verra. Là-bas on a acheté avec la zone de terrain. Donc ici. Ici, on fera les cochons. Donc là, je recule, c'est fort. Patate. Et après, le détruire. Et puis là, on peut se rajouter une petite zone, un petit truc de réparation, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et ici, donc voilà. Voilà, donc désolé des coups de lag hein, les gens, mais c'est vraiment notre saison qui fout la merde. Hein. Par contre, je sais pas où est la fumière. Est-ce qu'il n'y a pas de fumier? C'est bizarre, fumier de cochon. Donc ici, on pourra acheter des animaux. Donc ouais, il y a des races, machin et tout, mais on ne les aura pas quand on aura le mode saison. Donc à mon avis, je pense qu'on peut curer le fumier. Hein. Ouais.
Donc on aura du petit matériel, ouais. Donc vous avez pas mal de choses, hein. Donc je retourne à la femme principale. D'accord. Désolé, elle est en train de figer, mais je vous parle quand même, donc c'est bon. Si ça bug pas le son. Donc il y aura. Voilà, donc on vendra tous. Sauf la mauvaise bête. Peut-être qu'on la reconfigure. Je sais pas, faudra que je regarde dans le magasin pour la configuration. S'il veut bien. S'il veut bien, s'il veut bien, s'il veut bien. Je regarde en même temps combien de minutes des vidéos. On est à 11 000 bientôt. Désolé si vous entendez là, vous avez entendu une porte poser. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est comme. Ben voilà. Donc là, je suis dans le petit site. Alors, il se peut qu'on aille une autre marque. Problème que ou si on n'a pas eu le véhicule, il nous prête un véhicule de rendement. Oui, je lag. Voilà, je lag, je lag. J'espère que dans la série, quand j'ai enlevé le mode saison, ça va pas relaguer. Vous voyez, il y a pas mal de choses hein. Ici. Bim. Ah, putain, mais dégage-toi. Désolé. Donc ici, ce noir, tout ça, etc. Mais je pense pas que je vais prendre. Donc on va me déchaumer, charrue, tout. Et ici, réparation gasoil. Donc voilà. Voilà. Bon. Là, ici, vous avez. Bali orange. Orange. Moi je connais pas trop hein. Non, orange, on verra bien. La tournesol maïs. Merci. Et je crois qu'il y a le millet. Je sais plus. Là on a le. Ici, ouais. Mais de toute façon, je vais pas l'acheter terme. Donc comme. On verra. Sinon on n'a plus de place. On fera peut-être mettre une extension peut-être ici. Et peut-être qu'on fera aussi des moutons. Mais ça on verra dans la suite. Parce que les moutons, ça c'est les chevaux, ça c'est les cochons, et ici un pâturage pour le bétail. Ok, donc voilà, vous avez des pâturages, là c'est une pâturage, là c'est une pâturage, là c'est les poulets, là pâturage et moutons. Pâturage et moutons. Bah, on va rendre visite. On va rendre visite. On va rendre visite. Il me semble, il y avait un truc comme ça. Ouais, on verra bien pour un peu. Ah oui, mais c'est vrai que je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté de terrain. Et ça coûterait combien de l'acheter? Tout 83 000. On verra bien. Voilà, on verra bien. On se respawn dans le véhicule. Alors, j'ai enlevé le truc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moissonneuse, elle partira là-bas. On est à... Désolé, hein, là, je fais du soir de l'enregistrement de la vidéo. Donc, on est à 14 mi minutes de vidéo. Pour les champs, je verrai un petit peu les prix des champs quand on aura à peu près du matériel correct. Voilà, quand on achètera du matériel, etc. Donc, sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En miniature, vous aurez juste le truc de la marque. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est toujours pas fait. Ben, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à liker et disliker la vidéo. N'hésitez pas. Alors, vous voyez, je suis plus fluide. Je suis meilleur. Je suis fluide. Alors, je pense que c'est à chargement. On verra la prochaine fois la vidéo. D'accord? Si je relague comme ça. C'est le mode saison. Sinon, donc, comme je dis, je refais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait. Non, parce que j'étais ailleurs. J'étais en train de parler d'autre chose. N'hésitez pas à liker ou à disliker. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je sais qu'il y en a qui ça va pas plaire parce qu'ils vont du jeune dire, hein, comme ce gros bébé. Oh, c'est pas le plus gros hein, de base. Hein. Ça, c'est 280 chevaux. Hein. Sinon, le plus gros. Par contre, moi, je mettrai pas des. Voilà. N'hésitez pas aussi à suivre tout ce qui est dans la description. Ouais. Mais moi, je mettrai pas des. Comment dire? Pour le chargeur.
C'est trop gros pour ça. Je l'aurais mis pour 6. Pour le. Je crois qu'il y a le 5000. 5000. Bon, dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il y a le 6M. Le 6M. Et ça, c'est un 6R. Donc. Oui, voilà. Donc voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, bon, je peux pas tout filmer, je peux pas tout mettre en écran, du matériel là et tout, mais on y vendra, c'est tout. On va dire c'est à nous, mais on y vendra. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Mick Gaming, et je vous dis bye bye.